Bonjour, je m'appelle Bruno Cotte, je suis associé au GAEC des Colombières. On est dans le massif central, au cœur d'Auvergne, dans le département du Puy-de-Dôme, et sur la commune de Quinhia, au cœur du parc Livre de Forez. En SAU, on a 350 hectares, on a entre 45 et 50 hectares de maïs en silage. On a autour de 60 hectares de céréales à paille, alors que ce soit de l'orge, du triticale et un petit peu de blé. Et puis après, le reste, c'est de la prairie. On a une centaine d'hectares de prairie temporaire et puis tout le reste, c'est en prairie naturelle, quoi. On fait du lait avec une soixantaine de vaches Primostein. On est à un peu plus de 10 000 kg par vache, en trait robotisé. Après, on a des vaches allaitantes, donc on a deux races. On vèle à peu près autour de 140 vaches charolaises et une quarantaine de vaches au braque, 40-50 vaches au braque. Alors, c'est une zone de demi-montagne en altitude, on est à 700 mètres. Et sur des structures vallonnées avec des mauvais parcellaires, quoi. Les atouts de l'exploitation, c'est d'être en demi-montagne, donc de pouvoir avoir peut-être des zones un peu moins séchantes, d'être un peu plus arrosées que des zones de plaine. Après, les inconvénients, c'est les conditions hivernales. On a des températures, l'automne qui finit vite et puis le printemps qui démarre un peu plus tard, quoi. Donc pour semer des maïs, il faut semer des maïs un peu plus bas en indice, autour de 230. On sème que des maïs derrière des dérobés. Donc on fait forcément une récolte avant de semer les maïs. Donc on sème plutôt fin mai, quoi. 20 mai, 30 mai, même des fois début juin. Donc on met des indices de 130. On essaye de faire attention à la digestibilité aussi, mais avec le bémol qu'il faut qu'il résiste un peu à l'averse. Aujourd'hui, le maïs, pour l'exploitation, il est là depuis une quarantaine d'années, le maïs. Donc je veux dire, c'est pas tout à fait récent. Aujourd'hui, c'est une plante qui sécurise les stocks, parce que ça fait beaucoup de volume sur peu de surface. C'est une plante qui amène de l'amidon, qui est assez riche, donc qui nous permet de faire de la production de lait ou de la production de viande en étant le maximum autonome. Et aujourd'hui, oui, c'est une plante qui est importante sur nos systèmes d'exploitation.